Bienvenue dans votre rendez-vous santé. La gynécologue Chrysoula Zakharopoulou, la chanteuse Imani et la comédienne Julie Gaillet lancent une campagne nationale pour sortir enfin de l'ombre une maladie qui est encore taboue, l'endométriose, maladie qui touche pourtant plus d'une femme sur dix. Mais avant d'en parler avec nos invités, voici les actus santé de la semaine. Des jumeaux de pères différents identifiés par leur ADN. Au Vietnam, le père de jumeaux, estimant que l'un d'eux n'avait pas vraiment un air de famille, a fait procéder à un test ADN qui lui a donné raison. C'est très rare, il y aurait 10 cas dans le monde de jumeaux qui n'ont pas le même papa. Et oui, si un ovule a une durée de vie d'environ 24 heures, les spermatozoïdes, eux, en revanche, peuvent vivre jusqu'à 6 jours dans l'utérus. À 90 ans, elle choisit un road trip à la place d'une chimio. La nonagénaire a préféré faire un grand voyage à travers les États-Unis avec son fils et sa belle-fille. Voyage à suivre sur la page Facebook Driving Miss Norma. Manger des cacahuètes dès 4 mois éloignerait les allergies. Selon une étude britannique et contrairement à ce que l'on préconisait, une exposition précoce aux cacahuètes et oui dès 4 mois diminuerait les risques d'allergie. Attention, hein, des cacahuètes pas données en entier, simplement sous forme de chips de cacahuètes, ce qui est déjà pas très prudent à mon avis. Trois verres d'eau en plus par jour, c'est 205 calories en moins par jour. Une étude américaine estime qu'en buvant trois verres d'eau plate par jour, en plus des quatre verres d'eau bu en moyenne, nous consommerions 205 calories en moins, sans même nous en rendre compte. Nathalie Clary, bienvenue. Euh, vous êtes la présidente d'Endomine, oui. une des associations donc, qui se bat pour euh, mettre en lumière cette maladie, l'endométriose. Euh, vous souffrez vous-même d'une endométriose oui. et nous en reparlerons. Docteur Chrysoula Zakaropoulou. Vous êtes chirurgien, gynécologue, euh, l'hôpital Trousseau, et si je peux me permettre, vous êtes aussi un véritable pitbull. <laughs> vous ne lâchez rien. Non. Depuis que je vous connais, vous vous battez euh, pour lutter contre cette maladie, pour qu'enfin on en parle. Euh, et puis ça y est, vous arrivez à vos fins, enfin pas à vos fins, mais en tout cas on peut dire que vous avez fait travail. En première tout cas, étape. vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Merci, et on va y revenir. Merci. Mais pour l'instant, avant de revenir sur tout ce que vous avez réussi à faire, en peu de temps d'ailleurs. Euh, J'aimerais que l'on revienne sur cette maladie. Je le disais, elle est très fréquente. Une femme sur dix. Environ. Euh, elle est très peu connue. Très peu connue des patientes, de, des gens en général, mais aussi des médecins. Oui. Ce qui fait qu'on a un délai diagnostique quand même entre les premiers symptômes et le diagnostic il y a à peu près sept ans, je crois, en moyenne. Exactement. Voilà. Alors expliquez-nous déjà ce qu'est cette maladie. Cette maladie gynécologie elle est aux règles. On connaît très bien que chaque mois, sur les effets des hormones, euh, l'endomètre, la partie interne de l'utérus, il épaissit. On, on a, on a, on a un petit, une petite animation, que vous allez nous commenter, donc on va voir exactement comment ça se passe avec, avec la paroi, donc l'endomètre, ça c'est un utérus. Oui, et alors on voit l'endomètre, qu'il a l'évacuation par le vagin, et il y a des cellules de l'endomètre qui, à travers les trompes, il réussit d'arriver dans la pelvis, ou dans le bas-ventre, comme on peut dire. Et il arrive à se griffer dans de différents organes. Vous voyez les ovaires, euh, l'intestin, la vessie devant. Et, et avec le temps, cette lésion commence à engrandir, à, à infiltrer les organes. Il y a des adhérences entre les organes. Et le résultat, comme vous voyez, c'est la douleur. C'est le premier symptôme. Parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour que ça saigne ailleurs que. En fait. Pour rappeler, l'utérus, tous les mois, euh, s'il n'y a pas eu d'ovulation, euh, d'abord il se met à gonfler, et s'il n'y a pas eu d'ovulation, cette paroi euh, se met à Tout saigner, toujours. et il s'évacue. Est... Ce sont les règles. Mais là, en fait, ce tissu qui part ailleurs, il va être soumis aux mêmes ordres, entre guillemets, c'est-à-dire de comme saigner le aussi, tous les mois, comme voilà. les domaines. Voilà. Que... Exactement, euh, comme on dit, c'est euh, l'endomètre ectopique ouais. qui réagit à la même façon. Des conséquences, on peut avoir des petits saignements à l'intérieur, oui, euh, du bas ventre, puis, Ça ne peut pas sortir. Et il commence les organes à coller entre eux. Mm. Et de l'autre côté, et il se comporte, si vous voulez, euh, comme un cancer dans le sens qui commence à infiltrer les organes, en donnant des vraies lésions. Il donne des vraies lésions au niveau, par exemple, de l'intestin, de la vessie, des nodules. Il donne des, des, des kystes au niveau euh, de l'ovaire. Il donne euh, euh, des tissus plus durs. Et aussi, avec ces adhérences, alors on peut imaginer qu'au niveau pelvien, on a cet amalgame, que chaque fois, avec les règles, euh, que l'utérus, qui c'est un muscle qui commence à contracter, toute saison, elle est douloureuse. Mm. Donc ça peut aller, vous le disiez, euh, les intestins, le péritoine, la, la membrane qui recouvre voilà. tout l'abdomen, euh, qui est à l'intérieur, euh, le vessie rectum. C'est allé parfois. On a retrouvé aussi quelques cellules de l'endomètre au niveau des poumons, par il même au niveau de l'œil. Exactement. C'est rare. C'est rare. <laughs> ah bon. Oui, c'est rare. Ouais. Heureusement. Et ça euh, montre euh, la complexité de cette maladie parce qu'on ne connaît pas. Mes... Il y a des différents mécanismes qui sont décrits, mais par exemple, comme vous avez dit, pour les poumons ou pour l'œil, mm. le cerveau, peut-être il va être par voie euh, hématique, mm. vous voyez, qui à travers ça le sang des le cellules sang. peuvent arriver et le localiser. Je sais qu'il n'y a pas une endométriose qui ressemble à une autre, mais quels sont les principaux symptômes C'est 80 des femmes présentent des douleurs pendant les règles. C'est ça qu'on dit en médecine, dysmenorée. Mm. Et après douleur pendant les rapports intimes, souvent 40% des femmes, et de, et la douleur devient avec le, le temps commence à devenir chronique. Ça veut dire cette douleur qui était avant seulement le période des règles, oui. elle commence à, à prendre l'espace, euh, tous les jours devient c'est ça chronique non et, et après selon les autres organes. Et si par exemple on a des nodules au niveau rectal, au niveau vésical, on a douleur à la défécation, douleur à uriner. Oui. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que la douleur, c'est un symptôme de l'endométriose, mais l'infertilité aussi, c'est l'autre. C'est la première cause d'infertilité chez la féminin. femme féminin. en France. Euh, vous le disiez, vous parliez de douleur. Ça aussi, c'est un message important parce que. Comme on le dit, comme vous le dites d'ailleurs euh, docteur Zakharopoulou, la première gynécologue c'est notre maman Exactement. et les mamans pensent que c'est, nous disent bien souvent que c'est normal, normal. d'avoir mal pendant ses règles. Exactement, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles et c'est un préjugé qu'on transmet de génération en génération. Oui mais justement donc là ce sont des douleurs beaucoup plus importantes que les douleurs dites normales, comment, comment on fait la différence Je pense qu'on peut faire la différence à partir du moment où elles deviennent handicapantes dans sa vie euh, quotidienne, donc à partir du moment où elles nous empêche d'aller soit à l'école, soit de travailler, c'est un problème. Et si en plus c'est récurrent, il faut s'alarmer. Vous vous rendez compte, là on est en train de dire que si on a mal pendant ces règles, au point de ne pas aller à l'école, de rester au lit, etc., ça peut être une endométriose. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour le savoir Et est-ce qu'il faut, quand on a mal, même très mal, est-ce qu'il faut aller consulter C'est quoi les conseils ah oui, je pense qu'aller à consulter, c'est toujours la chose meilleure. Non, mais le, dès les premières règles non. non. Alors, parce que on sait très bien que dès les premières règles, vers 12 ans, la moyenne, non. on a des règles douloureuses jusqu'à la moment que les, les corps commencent à se former. Et alors, euh, c'est très difficile, les périodes de, de l'adolescence. D'y parler de l'endométriose parce que le, la maladie semble qu'il prend beaucoup de temps pour que se développe. Mais je pense qu'une personne qui a, qui a environ 17-18 ans, qui a des douleurs, c'est euh, à, à suivre. D'accord. Et puis on peut toujours aller consulter. Et là, qu'est-ce qu'on fait On fait une échographie, on fait une IRM, on fait quoi pour poser le diagnostic Pour poser le diagnostic, il n'y a euh, pas de marqueur particulier Malheureusement, il n'y a pas de marqueur et ça, ça va être un grand challenge pour la recherche. Aujourd'hui, l'échographie endovaginale, faite par un spécialiste, et ça c'est important à noter. Il y a écrit spécialiste endométriose. C'est quelqu'un me... qui est, il a une grande sensibilité à l'examen quand il est fait par des personnes, par des radiologues formés sur cette maladie. Parce que malheureusement, on trouve souvent des personnes qui ont eu plusieurs échographies, mais qui. Est... Elle était avec un résultat normal, mais ce n'était pas vrai. Alors aujourd'hui, vous voyez, et la formation aussi de nous, des médecins, ben c'est important. J'imagine que c'est un de vos boulots, entre guillemets. C'est justement qu'il y ait de plus en plus de, de médecins, de radiologues formés à, oui, à détecter, Exactement. à diagnostiquer au oui. mieux oui. cette maladie. Et les IRM Et les IRM. Et les IRM, euh, on peut dire qu'il n'est pas, pas opérateur dépendant. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pas, ouais. euh, les radiologues. D'accord. Euh, quels sont les traitements J'imagine que donc, si vous avez des douleurs violentes pendant les règles, l'idée, c'est de supprimer les règles, de donner une pilule. Oui, on commence d'habitude par les antalgiques pour voir si la douleur passe ou pas. Et après. Mais est-ce que met... ça, ça a une visée de diagnostic le fait qu'elle passe, par exemple, avec du paracétamol Est-ce que ça vous fait dire finalement, c'est sûrement pas une endométriose ou pas Ça n'a pas aidé. Euh, je vous parle de mon expérience, je ne peux pas parler maintenant. Euh, je vois par exemple que les personnes qui souffrent d'endométriose, de le paracétamol, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, ils commencent à prendre les anti-inflammatoires et, et après ils viennent nous voir. D'accord. Et après, donc, on donne, si ça ne suffit pas, on donne des pilules Oui. Euh, L'objectif, c'est de supprimer les règles. Alors, on bloque les, euh, les, les ovaires avec un traitement hormonal plutôt progestatif, parce que les lésions euh, ectopiques de l'endomètre sont accessibles à l'estrogène. Et alors, euh, on donne ce traitement en continu. Comme ça, on va supprimer les règles et il y a, euh, on va une nette amélioration des qualités de vie avec une diminution des douleurs. Et si tout ça ne suffit pas euh, je rappelle que vous êtes chirurgien-gynécologue. Euh, là, après, on peut euh, pratiquer des interventions pour soulager, pour libérer, pour enlever euh, toutes, les, toutes les lésions endométriales. Ah ouais. euh, je voulais... Vous, vous êtes venu euh, accompagner avec un petit bâton. Un bâton Oui. <laughs> Alors, je voudrais que vous m'expliquiez. On a parlé de la douleur, mais euh, pourquoi ce petit bâton à la main Parce que ces bâtons, c'est tout la campagne. Euh, qui le fait en collaboration et avec l'aide Paris. Et le bâton, c'est un symbole. Je ne sais pas si vous voyez ah oui, l'affiche. La on peut voir l'affiche. il y a cette femme qui serre le dent avec ses bâtons, il souffre, mais il serre le dent, et alors elle ne parle pas. Et de l'autre côté, le bâton euh, du bois, il symbolise qu'on est encore, concernant le traitement, euh, on est à, à l'âge moyen encore si on n'a pas un traitement spécifique et je trouve que c'est un beau symbole et j'espère qu'on va un jour jeter jeter le bâton jeter le bâton se <laughs> débarrasser du bâton exactement euh, mais vous dites qu'on n'a pas de traitement parce qu'on ne connaît pas encore la cause on sait qu'il y a une le mécanisme on, on sait qu'il y a une composante génétique puisque dans la famille si on a une mère une sœur euh, qui en souffre il faut quand même y penser euh, l'environnement euh, l'environnement on dioxy, a parlé beaucoup de la dioxine à un moment on a parlé des perturbateurs endocriniens exactement. mais on n'a pas encore de on n'a pas de... il y a des différentes pistes mais on n'a pas de conclusion mmh. non, non c'est très tôt Ça. Je le disais, il n'y a pas une entre qui ressemble à une autre, vous vous en souffrez, et, et on peut dire que vous, 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 vous n'aviez pas de douleur, ce qui est quand même assez rare. Alors je ne sais pas si je n'avais pas de douleur ou si je fais partie de ces femmes qui ont appris à prendre sur elles aussi. Pas prendre sur vous quand vous avez très mal. Moi, j'ai vu des femmes qui souffraient, souffraient d'endométriose. Ce sont pas des douillettes, hein, mais c'est vraiment euh, l'horreur. Hein. C'est l'horreur. Ouais. Et euh, aller travailler avec des douleurs, c'est difficile aussi, mais on prend sur soi et on, on y arrive. Et, et vous, vous, donc, vous avez vous en êtes aperçu beaucoup plus tardivement, oui. et vous avez, on peut dire, complètement organisé votre vie Exactement. autour de l'endométriose oui, tout à fait. J'ai appris euh, que j'ai été atteinte d'endométriose à, à l'âge de 29 ans, euh, à trois mois de me marier, donc euh, avec euh, toutes les conséquences qu'on peut connaître aujourd'hui euh, de cette maladie, euh, les, les difficultés à avoir un enfant, etc. Euh, mon mari, à l'époque, voulant absolument avoir un enfant, euh, le mariage n'a forcément pas tenu. Euh, et j'ai construit ma vie autrement. Je, je n'ai aucun regret, bien sûr, sur, vous avez été opéré plusieurs sur mon fois. évolution de, de vie. Mais effectivement, j'ai été opérée à, à quatre reprises. Donc, j'ai une atteinte digestive qui pose aussi euh, forcément des, des problèmes dans, dans le quotidien, euh, mais qu'on apprend à, à gérer forcément. Donc, vous, votre combat aujourd'hui, c'est vraiment de sortir cette maladie de l'ombre, d'en oui. parler, euh, de. Je de détabouiser si je peux m'exprimer ainsi cette maladie pourquoi oui. tant de tabous pourquoi tant de préjugés c'est parce que c'est lié à l'intime lié au sexe vous parliez de douleur pendant les rapports c'est oui, à cause de tout ça c'est un petit peu tout ça effectivement la, la douleur euh, liée aux règles euh, oui, c'est un préjugé qu'on qu qu se perpétue de génération en génération. Donc, euh... Oui, d'ailleurs, tout le monde ne dit pas les règles, on dit tâter tes trucs ». C'est ça, <laughs> exactement. Même le mot règle, effectivement, ouais. euh, on l'emploie très difficilement. Donc, euh, c'est un préjugé qui court dans, dans les familles, entre femmes et, et aussi chez les médecins, malheureusement, puisque euh, une femme qui va consulter pour des douleurs de règles euh, n'était pas. Tellement entendue. Tellement bien vu. Exactement. Ouais. Elle veut s'arrêter, quoi. Elle ne veut pas y aller. Oui. Euh, juste pour terminer, donc, je vous le disais, je vous félicite vraiment pour tout ce que vous êtes arrivé à faire. Là, aujourd'hui, vous en êtes où euh, Vous êtes soutenus, donc par les ministères, ministère de la Santé, ministère de une... l'Éducation. C'est un travail d'équipe qu'on a travaillé beaucoup avec Nathalie, avec Madame Gaillet, avec Imani, avec Lounis Margui. C'est un groupe, hein. des autres personnes qu ont tra aujourd euh, a aujourdrd'hui la fi. Euh, des soutiens des trois ministères. Hein. On voit des photos d'un concert qu'a donné Imani le 8 mars, mars. c'était le 8 mars, euh, donc où tout le monde était là, les, les ministres étaient là, bon, et soutenir. Imani était venue accompagner de nombreux invités, les Brigitte, Camille, Chamou, euh, Carla, Nicolas, ça, Carla, <laughs> Brunissa aussi, oui. euh, et, et donc là, vous avez aussi... Et une... alors, euh, c'était comme vous dites, les concerts, c'était aussi... Pour fêter tout ça, parce qu'il y a avoir trois ministères qui soutiennent le jour des femmes, les femmes atteintes, avec des engagements. C'est la première fois que le ministère de la Santé, et dans sa feuille de route, parle endométriose, Et, et avec le ministère de l'Éducation, on peut avoir accès aux infirmières au lycée, que c'est très important qu'ils soient informés, et aussi avec le ministère des droits des femmes au travail pour les planning familial. Et c'est très bien parce que l'école nationale des gynécologues obstétriciens. en même temps, on travaille aussi tous les médecins. Le monde associatif, il est avec nous. C'est la première fois qu'on est tous ensemble. D'accord, il y a encore du boulot, hein. il va encore falloir en parler, en parler, en parler, surtout n'ayez pas peur d'en parler autour de vous. Et vous verrez que euh, rien que le fait d'en parler, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, exactement. mais sans oser, sans oser le dire. Exactement. Et il y a encore euh, un petit message, une marche, le, la troisième oui, marche mondiale contre l'endométriose, le samedi, euh, samedi 19, 19 mars. mars. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez marcher, c'est aussi pour fêter, c'est pas du tout revendicatif. Hein. On C est, est moins fêter. dans la revendication effectivement qu'il y a deux ans. C'est et... plutôt une victoire, la voilà, marche de la victoire. <laughs> Et maintenant, le Zoom Santé. Docteur Patrick Assiag, bienvenue. Bonjour. Vous êtes cardiologue à Paris, oui. vous êtes président de la Fédération française de cardiologie d'Île-de-France. Vous êtes aussi président du syndicat, enfin vous ah ouais. êtes un cumulard. Quoi. Oui, oui. Euh, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de, de ce qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était aussi la journée de la femme, le 8 mars, un bulletin qui annonçait que finalement, il y avait une augmentation de 5%. Des hospitalisations pour des problèmes cardiaques chez les femmes. C'est-à-dire, on est en train de rattraper les hommes dans un domaine où on n'aimerait pas trop les rattraper. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'était la, la récente publication du BEH, en fait, qui a montré, en effet, une évolution de, des hospitalisations de, de, pour infarctus chez la femme jeune, qui est passée en l'espace de 10 ans de 3% à 5% ce qui est pour nous un taux tout à fait inacceptable vis-à-vis en fait du travail que réalisent actuellement les cardiologues en France entière pour justement dans le cadre de la prévention cardiovasculaire. C'est vrai qu'avant, quand on pensait euh, infarctus, on pensait homme. Euh, en gros, c'était réservé aux hommes. Là, on s'aperçoit évidemment que de plus en plus de femmes sont touchées. Bon, déjà, on n'a pas le même cœur que les hommes, il faut bien le reconnaître. Il, il, un cœur de femme pèse <laughs> 250 grammes, un cœur d'homme à peu près 300, un les artères sont plus, plus fines chez les femmes, plus, plus oui. fragiles. Alors, on s'est aperçu en effet, la, la question que vous posez est tout à fait intéressante, la, on s'est aperçu en effet que, euh, mis à part l'idée reçue que les femmes étaient protégées, si vous voulez, par leurs hormones, en fait, on s'est aperçu que les femmes avaient une évolution de leur mode de vie. Qui faisait en sorte que elles avaient, si vous voulez, un comportement à risque qui était équivalent à ceux des hommes. Et je parle bien entendu du tabagisme. Pourquoi le tabagisme Parce que les femmes fument de plus en plus et qu'on s'est aperçu sur les dix dernières années. Que si vous voulez, il y avait une progression de, de l'intoxication tabagique chez la femme qui était passée de 23 à 26 en l'espace de 5 à 6 ans, ce qui est en fait considérable. C'est l'un des facteurs les plus importants, si vous voulez, de la maladie coronarienne. Et c'est un, un des facteurs qui a sûrement influé sur le, cette augmentation d'hospitalisation, je, je dis bien d'hospitalisation pour infarctus chez la femme jeune. De, euh, tabac et pilules. Alors, tabac et si c'est la femme jeune, bien entendu. sa si la femme un peu moins jeune, bon, enfin, il y aura... Liaison fatale. Hein. Exactement. Mais on a d'autres facteurs de risque associés. Il peut y avoir du diabète, il peut y avoir un cholestérol élevé, par peut y avoir une hypertension artérielle. Euh, ce, qui, ce qui est très important à remarquer, si vous voulez, c'est qu'à côté des, des quatre facteurs de risque que je vous ai cités, il y en a trois autres qui sont importants. Hein. Bien entendu, la surcharge pondérale, l'alimentation qui doit être le plus équilibrée possible, et bien entendu, la gestion du stress. Actuellement, au niveau de la fédération, on a un slogan, si vous le permettez, qui est de 0, 5, 30, 0 cigarette, 5, ah, fruits, par jour, qui fume, oui. 5 fruits et légumes par jour, ouais. et 30 minutes d'activité physique tous les jours. D'accord, je ne sais pas lequel est le plus dur des trois. <laughs> c'est euh, important ce que vous venez de dire pour la prévention, bien entendu, hein, pas tabac, tout ce que vous venez de dire, 0, 5, 30. Mais il euh, y a aussi une vraie différence, c'est sur les signes. Exactement. C'est-à-dire que les signes d'un infarctus chez un homme. On a l'habitude de dire euh, euh, douleur dans les mâchoires, douleur dans le bras gauche. Chez la femme, c'est différent. Exactement. Alors, chez la femme, ça peut être différent, en fait. Elle peut également avoir la, la même douleur. Hein. Mais il peut y avoir une douleur, si vous voulez, épigastrique au niveau du ventre. Il peut y avoir également une douleur au niveau du dos. Mais également d'autres signes tout à fait atypiques. Ça peut être des malaises répétés et ça peut être un essoufflement anormal. Vous voyez, tout signe, si vous voulez, qui doit, chez la femme... D'autant qu'il y a des facteurs de risque associés, alerter le médecin et conduire à, soit en cas d'extrême urgence, à la faire hospitaliser, soit si ce sont des signes qu'on estime être mineurs pour l'instant. Euh, aller euh, directement vers certains examens complémentaires que vous connaissez, hein, qui sont l'épreuve d'effort, voire en cas de positivité de l'épreuve d'effort, aller à la coronarographie, qui nous mènera, si vous voulez, à faire ce qu'on appelle, nous, une angioplastie, une dilatation, si vous voulez, de l'artère, et mettre en place un stent, un petit ressort. Oui, mais vous me parlez d'une campagne, et c'est très bien, mais il faudrait aussi former les médecins, parce que je pense que, aussi, dans la tête des médecins euh, généralistes, ce n'est pas évident de penser à un infarctus quand on a des vertiges, des nausées, mal au dos. Alors, c'est une des campagnes que, que met en place la la Fédération française de cardiologie, en fait. C'est une information grand public, mais c'est également une information, une formation au niveau des médecins. Et on compte bien entendu, avec les autorités, mener à bien cette campagne. D'autant que Claire Mounévier, notre présidente, avait mis en place, comme vous le savez, le livre blanc de la cardiologie. Et dans ce livre blanc, si vous voulez, le thème de la femme est prédominant. Mais il y avait aussi une pub qui est passée, qui avait été réalisée oui, par My Wayne, où on, voyait on avait l'impression que c'était l'homme qui allait mais avoir un problème. Ouais, mais en fait, c'était la, la, la femme. Merci beaucoup ben vous en pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur LCI.